M. Quinty, Jean-Paul Quinty. Puis ça venait de Saint-Philippe, ça, les Dussault, Tellier. C'était des gens surtout qui travaillaient au Nouvelliste, journalistes. Puis tu avais les Leclerc de Saint-Sacrement avec les Poissons, Daniel Poisson, puis tout ça. Tu sais, tu avais toute une graine d'une effervescence artistique, là. Bon, on partait en autobus en été, on avait notre autobus en 53-54. Un autobus, chacun notre valise avec notre nom écrit dessus. Puis on faisait tourner de l'Ouest. On a notre année, c'était tourné de l'Est des États-Unis. J'étais allé à Boston, j'étais allé à New York, l'Ouest canadien, on a été jusqu'à Toronto. Mais on a fait les Maritimes. Quand on a fait la tournée de Nouvelle-Angleterre, là, Manchester, Lowell, Lewiston, tout ça, là, j'ai couché là, je me souviens bien comme il faut, c'était francophone, il fallait aller coucher dans des places francophones. Parce que c'était tous des Québécois qui étaient là. On chantait à messe à l'église Notre-Dame de Montréal à chaque année. Moi, pendant 3 ans, j'ai pas eu de Noël chez nous. On embarquait dans l'autobus pour s'en aller à l'église Notre-Dame. Oui, oui, oui. Chez nous, mettons, là, sur le balcon, moi, là, je faisais pas la même chose que les autres. Fait que je disais, je barbouillais. Puis ça a commencé de même. Puis après ça, quand il y a eu des concours, mettons, là. Mettons, en 58, quand ils ont lancé le concours, là, le frère Hilarion, il dit, Jean-Marc, il dit, participe. Mais tout de suite, là, à l'époque, là, est-ce que c'est Jean-Marc Gaudreau, le peintre? Mais passe le tailleur de pierre, si je suis le fils de Donald Gaudreau. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Tu sais. Puis, on n'avait pas les moyens d'aller aux Beaux-Arts, mais j'aurais été accepté, tout. Mais Benoît était une soutane sous-entendue. Fait donc, l'abbé Bertium s'occupait de lui, tu sais, à l'époque. Tu sais quoi, là? Ça fait que moi, chez nous, j'ai dit, je vais aller travailler. Fait j'ai été travailler. Puis, j'aimais ça. C'est là que 58-59, je suis au Fautus Barbecue. Puis, la nuit, j'attendais la Gazette. C'est là que j'ai rencontré Maurice Barry. Après ça, j'ai rencontré Denis Barry, puis M. Tuk 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 Tuk. Il n'y avait personne de dégueulasse dans ça. Aussi simple que ça. On parlait tous de la même chose, on aimait. On a eu un concours en 58. C'est là que j'ai rencontré Raymond Lanier. J'avais eu le premier prix. Mais on avait des atomes crochus au niveau de la communication. Je suis quand même dur d'approche un petit peu, là. Puis à un moment donné, un coup que ça part, ça va bien. Raymond était toujours présent quand même, mais c'est ça, là. On allait souvent chez Mme Barry, qui avait quand même l'action. Ça fait que j'allais chez Mme Barry pour rencontrer Raymond, qu'on se parlait de peinture parce qu'on l'écoutait. Raymond, c'était une bible, c'était... Il parlait, il avait toujours, tu sais, étant à terre, là, il griffouillait tout le temps, Raymond, lui, il ne pouvait pas rester inactif, hein. Il barbouillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu ne pouvais pas rester indifférent, Raymond, il avait une personnalité tellement forte, puis des paroles qui s'en allaient direct au cœur, là, tu sais. Il ne parlait pas pour rien dire, jamais, jamais, jamais. Puis Raymond, il aimait bien mieux, déjà là, être avec nous autres, des jeunes, qui étaient actifs. Nous autres, on ne se posait pas de questions, là. En 62, là, imagine-toi, là, Raymond n'était pas décédé encore. Puis nous autres, on prenait la boîte à chansons qu'on avait. On la prenait de nuit. Puis on s'en allait à la place du canon, là. Faut le faire, là. On fêtait, nous autres, ça coûtait rien, là. Puis lui, Raymond, il dit, « Tabarnak, vous êtes bien fou. » Ça, mais nous autres, la culture existait déjà dans ce temps-là, là. C'est après que la maladie s'est empironnée, là. Fait que Raymond, lui, j'étais avec lui là, toutes les années de la planque. Là, Raymond était chez nous 7 jours par semaine. Et tous ces jours-là, puis il était bien mieux avec nous autres, les jeunes. Mais je comprends, on était actifs. Puis on a fait des affaires ensemble. Actifs avec nous autres, c'était full pin. Puis il est parti vite, là, mais... Il avait fait les kermesses, il nous dépannait beaucoup, beaucoup. Il faisait des conférences chez nous, des activités régulièrement. Il était omniprésent. Inconditionnellement aussi. Puis c'est sûr que ça faisait pas l'affaire de bien du monde, parce qu'il était quand même une personne prestigieuse. Mais lui, il ne demandait pas l'aide, il n'était pas un infime pour lui, Raymond, là. Raymond, tu pouvais le rencontrer à 3h30 dans un bar quelque part. Puis il ne demandait rien à personne. Non, non, moi, Raymond, ça a été une des belles rencontres de ma vie, ça. Oh!
On se tenait toutes les nuits à Cicotéaille la nuit. On allait écouter de la musique de jazz avec Maurice Barry, tout ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier à Trois-Rivières, il y avait des gros clubs, puis des gros musiciens à Trois-Rivières. Tous les musiciens du Québec, là, ça vient d'ici quasiment. Fait que là, j'ai à la mode des boîtes à chansons, puis à 21 ans, du dimanche de nouvelles. Fait que j'étais à la caisse, j'ai emprunté mon lot. Fait qu'on avait une gang, là, Jean-François Leboeuf, Henri Dupont, Robert Clavin. Fait qu'on jouait à ça un petit peu, on avait comme un comité de direction. Mais c'était tous des gars d'action. D'action, là, tu sais, on se posait pas de questions, puis on le faisait. Puis c'était le fun. Ça a duré 5 ans. Puis à un moment donné, le fun a tombé. Mais oublie pas que hey, le jazz libre du Québec, ça a parti de là. Je t'ai conté des anecdotes de la boîte. Tu tourneras la tête. Quand tu dis que les gars prenaient les instruments de Montréal, ils s'en venaient jamais gratis à Trois-Rivières le dimanche. Faut le faire, là. Gratis. Tex, Gauthier, René Claude, les Gavroche, les Alexandrins. On avait toutes de petits contacts. Sans s'en rendre compte, il y avait de la vie là, ce jour par semaine. Puis ça faisait des petits, là. Parce qu'on était toujours au bord de l'Inde, là, tu sais. Il n'y a pas grand monde qui pleurait chez nous, là, à moins d'avoir un problème de... Dans ce temps-là, bipolaire, ça existait-tu? Puis après ça, c'était tout de suite la galerie qui est arrivée, 76-77, c'est encore 5-6 ans, le bar 5-6 ans, c'est toujours de l'action ça. Prends la galerie quand tu dis que pendant 5 ans, on faisait 2 expositions au 15 jours, il y a pas une galerie d'art subventionnée à Trois-Rivières qui a fait ça. On le faisait, nous autres, les 2 étages. C'était pas des 2 de pique qui venaient chez nous, là. Albert Dumouchel et compagnie, là, amenez-en. C'était spontané, tu sais, c'était beau. On démystifiait bien des affaires aussi. On demandait aux gens de nous donner un tableau. Puis on vendait le vrai prix. Puis les gens payaient 10 piastres pour un billet de tirage qui subventionnait l'exposition. Fait qu'au lieu que le client se fasse fourrer par un pédaleur, il vendait 800. L'artiste, il restait juste 400. Voyons, non, c'est respectueux. Thank you.
tout est axé sur le plaisir, nous autres. Mais du beau plaisir, là, on n'était pas des têtes à claques, là. On avait du fun, puis on faisait des choses autres que les gens normaux. Fait, c'est pour ça qu'ils m'ont quasiment tout passé dans les mains, le monde, c'est toi, viens. Par la galerie, par la planque, par les bars, toute forme d'animation. C'est ça qui a fait que je suis en contact avec tout ce monde-là. Toujours en étant libre. C'est bien plate. Manger, boire, avoir du fun. Mais moi, ça voulait pas muer. Peut-être qu'il fallait que... Non, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passait dans moi que je savais pas, que je n'ai jamais soupçonné d'ailleurs. Ben oui, ben oui. À ça, il fait des conférences pour les obèses anonymes. Ouais. Pis c'est des gens qui me respectent, que je respecte. Mais c'est pas de notre crise de faute, ils sont vieux, là, tu sais. Prends Denis. Denis Michel. Pas parce qu'ils vivent vieux qu'ils sont bons, maudits hosties. Je les aguissais en 58-59 au Club des Forges, puis je les aguille encore. C'est ça, là. C'est des meilleurs qui partent jeunes, jeunes, jeunes. Ouais. Nous autres, les détestables, avant on meurt vieux, vieux, vieux. Les années 75, là, quand ils voyaient la millionnaire, là, Monique, qui vendait au pouce, là, pis t'avais juste... Tabarnak de sti, c'était pas loin de la prostitution, ça, là, comme maison de débauche. Aller jusqu'à la fin comme ça, c'est impossible. Pis s'en aller comme un petit moineau, c'est impossible. C'est mes petites bébêtes que j'ai, là. Elles sont grosses, parce qu'il l'a dit. C'est des petites bébites, mais ils sont comme ça jusqu'à la fin. Je ne changerai pas ma manière de penser, tu sais, ça. Tu sais, quand je suis tout seul, je m'ennuie, puis quand il y a du monde, il me tombe ses nerfs. C'est toujours comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, j'allais au père Frédéric, mon petit côté spirituel, là, qui est profondément... Je te sais dessus quasiment des fois. Puis j'allais à l'église du père Frédéric, parce qu'il fallait aller à la messe le matin. Là, tu rencontrais tous les charognards de la ville. C'était pas ennuyant, ça, là. Les péchés n'existaient pas, c'était la folie tout le temps. Les péchés, c'est quand on a rencontré le monde, ça. On les a développés et améliorés.
Depuis 25 ans, j'ai toujours une toile sur le chevalet. Puis il n'y a pas personne qui interfère, qui intervient sur mon chevalet, puis dans ma vie en tant que Jean-Marc Gaudreau. Avant tout, moi, c'est des travailleurs. Moi, la personne qui le produit fini, je n'ai pas de contrôle sur ça. Je ne veux pas juger son produit. Mais quand le gars se lève le matin et travaille, là, chapeau. J'ai toujours été contre ça, moi. Le marché de l'or, voyons donc. Pas vrai, ça, le marché. Moi, ça marche. En tout cas, ça fait 52 ans que j'en fais. J'ai le même prix. Puis j'en ai encore 18 en commande accrochées sur le mur. Puis mes toiles font la moyenne 3-4 générations. C'est beau, ça. J'ai peut-être raison. Nous-tu un organisme de 52 ans, Trois-Rivières? Non. En guillemets. J'ai-tu dit organisme? Ça fait drôle de dire ça. Non, ça résume en gros hein, l'honnêteté, la liberté du travailleur. Puis dans ça, là, tous ceux avec qui j'ai frayé, là, je peux dire qu'il y en a une grosse moitié des artistes pensent comme moi, mais ils sont pognés d'un engrenage de... Ils ont juste appris à lire et écrire, remplir des formules. Mais sur une longue run, j'en ai des beaux témoignages, je me dis, Jean-Marc, t'avais raison. Puis c'est ça. Puis j'aimerais ça qu'ils sortent un nouveau mouvement, plus de valeurs humaines. Puis arrêter d'avoir un peu l'État trop interventionniste. Il peut y avoir un mouvement qui peut se reposer. C'est sûr que ça ne fait pas toujours notre affaire, là. Il n'y a pas de manière. Mais je pense que la décision est belle, amenée jusqu'à date. La manière est correcte. Puis j'ai même hâte à part de ça. À ma manière. Pas toujours, là. Mais en gros, le dessin est beau. Il est même très, très beau. Mais c'est sûr qu'il ne va pas à mon rythme, parce que on n'est jamais prêt. Mais en gros, là, toutes les planètes sont alignées pour que ça se fasse très, très, très bien. Puis je donne service de professionnalisme alentour de moi. C'est des professionnels à tous les niveaux, inconditionnels dans le cœur, dans la tête, partout. J'ai eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Je suis chanceux. J'ai eu le temps de le dire que je me suis pratiqué à m'ennuyer de vous autres. Puis le dire aussi, j'ai toute ma vie devant moi. Ça va être plus dur un petit peu. Mais ça se prend bien. Un coup tu l'as compris, accepté, là, que t'as toute ta vie devant toi, là. Puis là, la date fatidique, ça revient. Ça fait plus dur. Mais ça va bien. C'est sûr que je ferai pas mieux qu'un autre, là. On va peut-être faire une petite modification en cours de route. Un petit whack. Mais ça sera pas un gros whack. Non, non, ça va bien aller. On a tout... Non, non. J'ai décidé de partir ici dans mon atelier près de mes amis. Puis c'est sincère. Puis on va être bien entouré. Puis ça va être une très belle fin de vie. Je suis convaincu. Dans les règles de l'art.
et la vie va continuer. Vous verrez bien ça avec le temps. C'est juste du temps qui me manque un petit peu, là. Vous verrez bien ça avec le temps. Mais c'est... J'ai encore de l'humour en masse. Puis j'ai pas de l'air de quelqu'un qui va mourir. J'ai la chance d'être... Je suis un chanceux, mais jusqu'à date, j'ai aucune douleur. J'ai aucune métastase. Je marche par un petit fil qui balotte dans le corps. C'est incroyable. C'est un chanceux. Un chanceux, ça, c'est l'anonymat de Dieu. Pas plus. Je reviendrai pas pour vous le dire, parce que c'est vrai. Mais il faut des petits flashs comme ça pour croire. Puis ça donne bien, je crois. Ben, tout ce que je dis, là, j'y crois avec conviction. Parce que je suis entouré avec des élus. Après ma mort, ça vous êtes des élus, vous autres. Quand on vit au monde, on est une sentence. Puis quand on meurt heureux et qu'on a accepté, on est des élus. Et vous allez le découvrir en cours de route.